Hey, salut les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va être la vidéo le guide du survivalisme. Allez, on regarde. Bien bonjour, aujourd'hui on va prendre une vidéo en mode 100% nature, 100% vrai. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire du feu sans un instrument magique qui s'appelle le briquet. On va faire avec la pierre à feu. On va voir un endroit. Où est-ce qu'on peut le faire, puisqu'on a une difficulté supplémentaire, c'est que... Hop. Je difficulté 100% level. On est dans Skyrim. Là, je suis au niveau 100. Savoir faire du feu, là, on va s'amuser. Alors, c'est bien parce qu'on va mettre en difficulté. Et si on y arrive, franchement, je crois pas qu'on va y arriver. Mais il faut essayer. C'est le but du jeu. Alors, la récompense, si j'arrive à faire du feu, ça va être un bon café et à manger. Donc, pas de feu, pas de café, pas de repas à midi. Donc, on va continuer de chercher un endroit où est-ce qu'il est plus facile de faire du feu. Bien, bah apparemment, il y a des gens qui sont déjà un peu survivalistes. Donc ça c'est un cairn, on voit ça beaucoup dans le Garnier Astérix. Ça peut être aussi une forme de repérage. Si maintenant vous êtes perdu en forêt et que vous tournez un peu en rond comme ça avec Frodon dans les deux tours, vous pouvez faire un genre de symbole comme ça pour vous dire voilà, je suis déjà passé par là. Donc là je m'aventure, j'en sais trop rien. On va faire du hors-piste de nouveau. Et puis, plusieurs petites choses qu'on va essayer d'apprendre, mettre en œuvre. On va essayer de. Pour se repérer. Donc, notamment aussi, le soleil, il est par là. Donc, on va faire une vidéo aussi sur repérage par rapport au soleil. Ici peut-être voir que ça peut être sec mais bon ce serait con que ça nous tombe sur la gueule. Effectivement pour faire un feu ça va pas nous aider mais il faut se dire que plus simplement si on est vraiment en condition de survie, ben on n'aurait pas le choix quoi.
premier essai, enfin mon premier endroit, là où je suis, je prends l'altitude, le bois, il n'y a quasiment que du bois vert, heureusement, mais il fait, il y a encore de la neige, donc les bois sont assez gelés. Donc on va descendre un peu plus bas, en espérant pouvoir au moins faire un petit feu, vraiment juste pour vous prouver. Même dans des conditions comme ça, ça peut marcher. De recherche parce que pourquoi on est venu, enfin trouver un endroit presque idéal, sans pente, c'est bien, mais on va se contenter de ça, hein, parce que on fait le temps non plus. J'ai un peu brûlé mon bois, mais... L'idéal, ça fait des panels pour que, comme le bois est bouillé, on arrive à avoir les fibres du milieu qui sont sûrement moins mouillées. Voilà, on va enfin commencer à prendre la vidéo. Donc on va allumer un feu avec la pierre fire steel, pierre à feu comme vous voulez. Bon, je vais vous montrer comment ça se passe. Si j'arrive à faire tenir ma caméra, voilà. Juste en face, ça c'est pas mal.
Donc ça se passe comme ça. Ça se passe. Voilà. Donc ça. Presque. La base est comme ça, mais... Enfin... Really?
n'arrive pas. Si j'y arrive pas, ça veut dire que je peux pas manger et pas boire mon café. Alors vous trouvez ça con, mais c'est un peu le but du jeu en fait. Je me trouvais un peu comme si j'étais en... Alors bon les amis, bon ben j'y arrive pas. J'ai galéré toute la matinée à trouver un endroit où... Et là j'arrive pas à me mettre au feu. C'est pas évident. Mais c'est bien, ça nous apprend aussi le mental, comment on réagit face à ce moment-là. Et c'est le plus important en fait. C'est la... L'apprentissage le plus grand ici, c'est pas de réussir ou pas réussir à venir en feu, c'est de se rendre compte mais les choses qui sont tellement faciles aujourd'hui et qui nous facilitent trop la vie. Et prendre un ticket, bon voilà, mais ça nous facilite trop la vie, c'est pas la classe quoi. Donc là pour manger, mais je sais pas comment je vais faire. J'ai encore essayé le 3 heures. Bon ben bah, verdict les choses. Je suis quand même débrouillé. J'ai pas réussi réellement ce que je voulais faire. Ça vous déprime, mais je vais la refaire. Je vais quand même la poster sur YouTube, faire une vidéo un peu chouette quand même. Et puis voilà, parce que je suis pas du tout content du résultat. J'ai beaucoup galéré en fait. Comme je le pensais un peu aussi, hein, bon. Donc pour l'instant, bon bah c'est pas chouette, chouette. Bon, et bien voilà, on y est. Donc dans cette deuxième partie, je vais vous montrer ce qu'il faut faire et pas ce qu'il ne faut pas faire. Donc déjà, il faut avoir un espèce de bout de bois qui pour faire les copeaux. Putain la vache! Oh la vache! Yes! Ah. Wouh! On a du feu! On a du feu! On a du feu! Et voilà! Ça m'a pris un temps fou! Mais j'ai réussi! Alors! Bizarrement, je n'ai pas réussi avec ça. J'ai plus réussi avec mes tutos. Vous avez pu voir. Donc, au final, la récompense du café et de ce qu'on avait à boire, on fera dans une prochaine vidéo. On fera un camping. Camping. Là, c'était vraiment pour vous montrer que c'est faisable. Ça réchauffe un peu, c'est bien. Bon, voilà. Donc, moi, je suis content. Enfin, réussi. Le muscle tout en feu après 2 jours d'essai. Voilà, donc vous avez vu, donc, c'est faisable.
Bon, voilà, on va regarder quand même un petit peu le feu. Donc, voilà, ce qu'il fallait pas faire, c'est de pas avoir un petit bout de bois. En plus, il y a la résine. Ça sent comme. Pas l'épice, mais orange, c'est un peu comme ça. On voit bien hein, le feu, je le laisse s'éteindre doucement. Le couvert sur lequel je l'ai fait légèrement mouillé. Donc voilà. Donc ben voilà, c'est faisable. Donc surtout que mon machin là, il est bien noirci. Bon, voilà. Donc bon, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile de le faire qu'avec un briquet du feu, mais admettons que il faut s'entraîner, il faut savoir, faut voilà. Et franchement, ben c'est, je suis content, voilà, enfin. Donc cet épisode il est fini, parce que j'ai à dire, et puis voilà. Donc on va faire la conclusion tout de suite. Là, sur 2 jours de tournage avec je sais pas combien de bornes j'ai fait, c'est extrêmement galère quand même hein, de mettre ces épisodes en place, voilà. Mais en même temps franchement c'est classe, c'est vraiment génial de pouvoir le faire et de pouvoir s'entraîner à ces choses là mettez-les en pratique, parce que de le voir à la télé, d'avoir envie de le faire, il y a une seule chose, qu'est-ce que mettez en pratique ce que vous pouvez lire, ce que vous pouvez avoir comme connaissance, et vraiment faites-le en live. Mettez-les en pratique, même quitte à prendre 2-3 heures, franchement, moi c'est ce que j'ai fait là ces 2 derniers jours, et c'est la première, je pensais que c'était plus simple, mais voilà. C'est ça qui est bien, c'est le défi aussi. Et je vais réussir vraiment pour vous montrer et être crédible aussi. Ouais, crédible. Il faut pas être avril. Petit bonus pour une vidéo dont on a déjà fait, dont on a déjà plus ou moins parlé. Et là, je vais vous montrer en live, on dirait. C'est gratuit, c'est bonus. Alors, il est, j'en sais rien, il doit être 3h, 4h. Alors, ce qu'on va faire, vous voyez le soleil, il est par là-bas. Parce que là, ça se voit. Ok, bon, on va essayer d'aller au soleil. Alors, et j'ai la bâton, c'est plus ou moins droit. C'est dommage, c'est pas plus grand, mais il n'y a pas énormément de soleil. Et même, je dirais, je me fais chier pour rien. On va prendre ballon de cet arbre-là. Bon, il est. Non, je ne vois même pas sur la caméra. Bah, la mienne, tiens, on va prendre la mienne. Vous voyez, donc moi, si je me mets, bon, alors, on met où? On m'a dit quelle heure il était? Approximativement, je me rappelle même. Le soleil, je sais qu'il se lève de par là-bas. Ok? Donc je peux déjà dire que là, c'est le sud, et là, c'est l'est. Donc, je peux aussi voir. Plus ou moins l'heure qu'il est grâce à mon ombre. Donc pour ne pas dire de conneries, j'ai emmené une boussole. Alors j'ai d'abord regardé moi là où est-ce qu'on est. Donc voilà, ce que je disais, c'est pas de conneries. Non, mais vers le sud, et le nord il est derrière moi. Et comme dirait Perceval, selon où on se place, ça change tout. Alors le sud, donc il est là, je vais le dépasser hein, comme ça vous voyez que est-ce que j'ai pas à l'envers mais...
Non, monsieur. Elle bouge pas. Ah oui. Voilà, c'est mieux. Bon, monsieur est derrière moi là. Donc le mort, il est par là. Bon, on va dire que tout droit là, cette partie-là, il est midi sur le carran. Si on devrait faire un carran, une monte. Donc là, tout droit, ça serait midi. Derrière moi, 18h. Là, à droite, 3h. Et là, 9h. Donc, si je vérifie sur mon téléphone portable, on peut voir qu'il est 15h49. Donc, on peut plus ou moins savoir quand même. Voilà, ça fait effectivement, si je me mets comme ça, ça fait plus 16h, oui, effectivement. Mais voilà. Et plus il va tourner, plus il va descendre, plus l'ombre va aller dans ce sens-là. Et voilà, donc on peut se repérer grâce au soleil de cette manière. Alors c'est un peu brouillon dit comme ça, mais faites-le, vous allez voir, c'est plus simple à faire. Alors voilà, après cette vidéo, après cette expérience de d'allumer un feu avec le Fire Sim, alors à faire et à ne pas faire. Donc dans la première partie, on a abordé le sujet de ne pas faire. Alors dans la première partie, on a été pressé de vouloir faire du feu. On a mis des bouts de bois, en plus mouillés. Alors, la saison n'est pas propice à faire du feu, voilà. Mais, donc, on a été pressé à faire du feu. Deuxièmement, on a carrément pas fait ce qu'il fallait. Et troisièmement, on s'est carrément mal pris. Et, au-dessus de ça, bien sûr, on a été pressé de faire du feu, donc on n'a pas été dans les meilleures conditions. Puisque dans la survie, il faut arriver à être calme. Au moment où la panique elle vient, ben c'est mort. Il faut rester calme et voir les choses telles qu'elles sont. Ensuite, dans la deuxième partie, on a mis en jeu cette partie-là, donc c'est un bout de bois qui est à 80% résineux. Donc, quand on sent qu'il y a une, alors, j'avais le bidume, voilà. Donc, dans ce machin, alors c'est Shield of a Rock. Alors, bon, pour l'entrée, il n'est pas. Il n'est pas super. Alors bon, c'est 3,75€. Bidule là, tout dépend où vous l'achetez, vous pouvez l'avoir à bien plus cher. Donc en fait,
On vous montre bien ici, avec un petit grattoir ici, de faire des copeaux et de l'autre côté, avec un couteau pour faire des morceaux plus gros. Alors, la manière de faire, c'est vous grattez avec un couteau, enfin avec une manière, enfin avec, avec un objet qui peut faire un couteau, ça marche aussi. Hein. Quelque chose qui peut vous faire des copeaux. D'ailleurs, même là, je suis en train d'essayer un peu. Bref. Oui, bon, la chose à faire. Vous faites des copeaux avec un couteau, un grattoir ou n'importe quoi. Vous faites des copeaux qui sont vraiment, vraiment petits. C'est ça le plus important, vraiment petit. Vous en faites à peu près sur ce diamètre là. Et vous grattez. Alors, moi dans la vidéo, vous avez pu marquer, j'ai pas gratté avec ça, j'ai gratté avec mon couteau qui marche. Vous pouvez prendre ou signer en métal, ça marche aussi, et voire même mieux. Une fois que le feu a pris, vous pouvez rajouter des grands copeaux, enfin des grands, enfin ouais, des longues tiges. Fait au préalable, c'est mieux aussi. Ou avoir du bois sec à couper. Donc, ça c'est vachement important de remettre le feu comme ça. Moi, c'est ce que j'ai appris ces 2 derniers jours. C'est ce que je veux vous apprendre et la vidéo elle est faite pour ça. Je n'ai pas le prétexte de me dire je suis un survivaliste de l'extrême, au contraire. Le but de la chaîne est que moi j'apprenne et quand j'apprends, je vous montre les choses à faire, les choses à ne pas faire. Je peux me tromper, je peux être nul, je peux me tromper, je peux faire des choses qui n'ont aucun sens aux yeux des grands survivalistes, mais j'apprends. Et je pense que le fait d'apprendre et en même temps vous montrer, ça fait une bonne chose. Donc voilà, moi je vous laisse pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.